Yo les potes, Cédric Sio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait un petit bail, j'en ai pas fait, ça fait 3-4 jours. Mais aujourd'hui, nouvelle vidéo avec comme d'hab pas mal de news qui concerne pas que Fortnite. Cette fois-ci, on va un peu parler de Call of Duty Black Ops 4. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ça a un rapport avec Fortnite, c'est pour ça que j'en parle. Avant toute chose, je tenais quand même à vous remercier parce qu'on est 110 000 abonnés sur la chaîne. À la dernière vidéo, on était 100 000, 105 000. Là, on est directement 110 000, donc voilà, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Vous me donnez la force et ça, c'est cool. À part ça, dans cette vidéo, on va parler dans un premier temps du mode Battle Royale de Black Ops 4. C'est pour ça que j'en parle, c'est un petit rapport avec Fortnite, le mode Battle Royale. On va parler du coup de ce mode Battle Royale sur le prochain Call of Duty. Et on verra justement quel impact il pourrait avoir sur Fortnite. Est-ce qu'il va détrôner Fortnite? Est-ce qu'il va prendre tous les joueurs du mode Battle Royale de Fortnite? Ou alors peut-être qu'il aura juste un impact mineur, il va pas faire de gros changements sur Fortnite. Et justement, je voulais vous en parler parce qu'il y a pas mal de professionnels, d'analystes, etc. qu'on fait une analyse sur ça. Ça veut pas dire qu'elles sont sûres à 100%, mais on pourrait avoir une idée. Enfin bref, je vous en parle dans la vidéo. Mais on reviendra sur Fortnite ensuite avec les défis de la semaine 4 qui ont fuité. Ensuite, une news qui risque de plaire à beaucoup, c'est la sortie prochaine de Fortnite sur Android. Je vous informe tout de suite, on n'a pas de date précise, mais on a une période, une fourchette à laquelle Fortnite Android va sortir. Je suis le premier à l'attendre parce que moi j'ai qu'un Android, j'ai pas d'iOS. Enfin bref, on parlera ensuite du bunker secret de Wailing Woods sur lequel on a quelques théories mais également des news. Et enfin, je vais vous parler d'un site qui vous permet de créer votre propre skin Fortnite facilement. Je précise, c'est pas un placement de produit, c'est vraiment un site que j'ai trouvé sur Reddit. Et vous allez voir que c'est très cool. Et comme d'hab, en fin de vidéo, des concepts de Reddit parce que je sais que vous kiffez pas mal ça. N'oubliez pas le like à la fin de la vidéo si vous avez kiffé et on est parti tout de suite. Bon, pour ceux qui savent pas, dans le prochain Black Ops 4, il y a un mode Battle Royale qui a été confirmé. Il s'appellera Blackout, le mode il a vraiment été confirmé par un trailer, etc. C'est une première dans la franchise de Call of Duty qui un mode Battle Royale et je pense qu'ils ont fait ça parce que c'est vraiment ce qui est tendance en ce moment depuis 2-3 ans. C'est vraiment le type de jeu qui marche de ouf. On peut voir PUBG, on peut voir Fortnite. De base, il me semble que ça vient de Arma 3. C'est de là où ça vient le mode Battle Royale et c'était déjà un gros truc. H1Z1 aussi que j'ai oublié. Donc je pense que c'est pour cette raison que Activision ont décidé de mettre un mode Battle Royale sur leur jeu. Au départ, c'était une simple rumeur, mais ça a été confirmé le 17 mai par un trailer de la part d'Activision. Donc le but, comme d'hab, ça sera d'être le dernier survivant. Il y aura peut-être 100 joueurs, on sait pas exactement, mais normalement, dans les modes traditionnels Battle Royale, il y a toujours eu 100 joueurs, donc je pense que là il y aura 100 joueurs également. Ça fera chelou de voir 100 joueurs sur la même map sur Call of, parce qu'on est habitué à quoi, 16 joueurs maximum. Là ça va faire vraiment chelou. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner sur un Call of Duty. Faut savoir qu'Activision dans ce mode Blackout, ils nous ont confirmé qu'il y aura des maps de légende, donc des maps apparemment iconiques de Call of Duty. On peut penser à Nuketown, on peut penser à des maps comme ça. Je vous avoue que j'en ai plus en tête. Et en parlant de Nuketown, la map du mode Battle Royale sera d'après Activision 1500 fois plus grande que Nuketown. Donc vraiment ça sera une map gigantesque. Je pense que ça sera la taille de, au moins la taille de la map de Fortnite. Peut-être qu'elle se rapprochera de celle de PUBG qui est vraiment gigantesque. On nous a précisé qu'on pourra piloter les RCXD, vous savez, les petites voitures télécommandées qui étaient sur BO. Et pour ceux qui veulent aller voir, je vous mets le trailer du mode Battle Royale de Black Ops 4 en description parce que je veux pas le mettre sinon je vais me faire strike. Enfin voilà, ça c'était pour vous parler du mode Battle Royale de BO4 qui va arriver du coup. Mais maintenant on s'est posé la question, est-ce que ce mode sur Black Ops 4 va faire de l'ombre au mode Battle Royale de Fortnite simplement? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un gros jeu qui sort, on a tendance à penser qu'il fait de l'ombre aux jeux qui sont déjà tendance actuellement. Et en plus de ça, là ça va être un mode Battle Royale, donc il y a de quoi s'inquiéter pour Fortnite. Mais attendez, justement il y a plusieurs analystes allemands pour tout vous dire qui sont penchés sur la question, dont un qui s'appelle Andrew Werkwitz, désolé si j'ai écorché son nom. Il nous a dit, je cite, nous pensons que Black Ops 4 n'est pas positionné pour attirer des joueurs de tous les milieux et plus jeunes comme pour Fortnite. Au lieu de cela, nous croyons que ce jeu est conçu pour être le meilleur dans sa catégorie, tir à la première personne. Donc voilà pour ce qu'il a dit. Alors perso, je suis d'accord pour un truc, c'est que la communauté de Fortnite elle est relativement jeune. Ça commence vraiment vers 6-7 ans et ça va jusqu'à la trentaine, quarantaine. Alors que Black Ops 4, je pense que ça va plutôt être pour les anciens, ceux qui ont déjà joué aux anciens Call of. Donc c'est vrai qu'il a raison. Par contre, en revanche, pour le jeu meilleur de sa catégorie, ça je pense pas que Black Ops 4 va être le meilleur jeu de tir à la première personne en 2018. Pas oublier qu'il y a Battlefield qui arrive. Après, on n'a pas de boule de cristal, on peut rien prévoir. Peut-être que le mode Battle Royale de Black Ops 4, ça va être un truc de ouf, ça va tout niquer. Mais bon, franchement, honnêtement, ça m'étonnerait. Que je pense qu'on peut pas faire mieux qu'Epic Games. Ils sont toujours à l'écoute de leur communauté. Chaque semaine, ils rajoutent des nouveaux trucs, etc. Ils écoutent bien ce que disent les joueurs, leur avis, etc. Et Treyarch, ils sont pas vraiment connus pour ça, les développeurs de Black Ops 4. Ils sont pas vraiment connus pour être à l'écoute de leur communauté. Enfin, bref, tout ça pour dire que Black Ops 4, potentiellement, probablement, il prendra pas une grande partie du public Fortnite, simplement. Qu'en plus de ça, Fortnite et Call of, c'est deux univers complètement différents. T'en as un, c'est un mode cartoon, un univers un peu enfantin qui parle à tout le monde, que ce soit aux petits ou aux vieux, alors que Call of c'est vraiment pour ceux qui aiment la guerre, le sang, etc. Donc voilà, bref, on a fini pour Call of Duty Black Ops 4. Maintenant on va revenir sur Fortnite aux bonnes vieilles bases. Je vais vous parler des défis de la semaine 4 qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu. Je vais vous lire ça rapidement. Faut d'abord infliger 1000 de dégâts aux adversaires avec des fusils d'assaut. Faudra chercher 7 coffres à Wailing Woods. Ensuite fouiller 7 boîtes de munitions en une seule partie. Visiter le centre de différents
différentes tempêtes, qui sont au nombre de 3 au total, fouiller entre un banc, un camion de glace et un hélicoptère, faire une élimination au piège. Donc ça va être chaud parce que j'ai vu que le piège apparemment il a été nerf. Maintenant il fait plus que 75 de dégâts, il one shot plus. Donc franchement bonne chance pour ce défi, ça va être bien relou. Et enfin éliminer 3 adversaires à Snow Beach Shores. Donc voilà, normalement ça va être ça les défis. Peut-être qu'ils vont changer d'ici là, mais normalement ça sera ça. Bref, maintenant on va parler de Fortnite sur Android. Quand est-ce qu'il va sortir? Bah je vais pas faire durer le suspense. Epic Games a annoncé que ça sortira cet été. Donc ça devrait sortir maximum d'ici 3-4 mois. Ouais, il y a encore beaucoup à patienter, mais bon c'est la vie, nous utilisateurs d'Android. D'ailleurs sur la version iOS il y a eu quelques petits changements. Désormais on peut personnaliser l'interface, c'est-à-dire que chaque bouton tactile on peut les déplacer sur l'écran pour que ce soit plus pratique. Par exemple le bouton pour viser on peut le mettre en bas, on peut le mettre vraiment où on veut. Et ça pour tous les boutons, même les joysticks. Donc voilà, ça peut être cool pour ceux qui galéraient un peu. Ils ont même mis un mode construction maintenant, parce que c'est vrai que sur mobile ça construisait jamais, c'était trop galère. Donc peut-être qu'avec ce mode construction, ça va permettre de construire plus facilement. D'ailleurs, pour revenir pour la version Android, voici Epic Games qu'ils ont dit précisément. Nous tablons actuellement sur une sortie au cours de l'été. Nous savons que vous êtes nombreux à attendre cette version. Et nous vous promettons, que dès que nous aurons plus d'informations, nous les partagerons immédiatement avec vous. Donc voilà, perso, franchement, je vous dis la vérité, j'ai tellement attendu Fortnite sur Android que là, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis plus autant à fond qu'avant. Également, j'ai pu voir un peu comment ça se jouait sur iOS. Et franchement, c'est un peu galère. Je sais pas s'ils ont amélioré ça, mais perso, ça me donnait pas trop envie. Enfin bref, maintenant, on va revenir au bunker de Wayne Goods. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait trouvé un bunker à Wayne Goods. Un bunker secret. Un joueur, il avait réussi à casser la dalle qui était en dessous. Et il y avait tout simplement un trou en dessous du bunker. Il y avait rien de spécial. Il y a quelqu'un sur Reddit qui a posté une petite théorie. Est-ce que vous vous rappelez du missile nucléaire qu'on avait trouvé dans la base des méchants vers Snow Beach Shores? Il faut savoir que la base des méchants justement, elle est à l'opposé, vraiment à l'opposé du bunker de Wayne Woods. Et il y a Anonymous Guerilla sur Reddit qui nous a fait une petite théorie. Il a tout simplement fait le rapprochement entre les deux éléments que je viens de vous montrer. C'est le missile qui va tout simplement s'écraser sur Wayne Woods, ce qui expliquerait pourquoi il y aurait un bunker sur Wayne Woods. Et ça raserait vraiment toute la zone, il y aura vraiment plus rien. Après dans les commentaires il y en a beaucoup qui sont partagés, il y en a beaucoup qui pensent qu'elle va plutôt s'écraser sur Moistimir. D'ailleurs je vous rappelle qu'à la fin de la saison 4, Moistimir devra disparaître. Et ça c'est sûr à 90%. T'as un gars qui avait déjà prévu plein de trucs avant qui sont réellement passés, parce qu'il avait tout simplement un contact chez Epic Games. Et il nous avait prédit aussi que Moistimir va disparaître à la fin de la saison 4. Est-ce que Epic Games d'ici là ils vont pas changer d'avis, parce que justement on s'est fait spoil entre guillemets par un employé de chez Epic Games. Donc est-ce qu'ils vont changer le scénario? Est-ce que le missile va s'écraser autre part? Peut-être sur Wayne Woods. J'aimerais vraiment votre avis dans les commentaires, que vous bombardez un maximum les commentaires pour que je vois un peu c'est quoi la tendance générale, qu'est-ce que vous pensez en gros. On va rester sur Wayne Woods et on va parler d'un concept qui nous vient aussi de Reddit. Ça serait tout simplement de transformer cette zone en un village d'arbres. Ça ressemblerait en gros à ça. Donc ça c'est un screen qui a été pris sur un autre jeu, mais ça serait ça en gros l'idée, des petits ponts, des petites maisons sur les arbres, des plateformes etc. C'est vrai que ça donnerait un tout autre aspect à Wayne Woods et ça encouragerait peut-être plus de personnes à y aller, parce que c'est vraiment une bonne zone je trouve. Tout comme Moistimir, mais vu que Moistimir, d'ailleurs oui c'est Moistimir et pas Moistimir, il y a beaucoup qui me reprennent dans les commentaires à chaque fois. Vu que Moistimir risque de disparaître à la fin de la saison 4, pourquoi pas donner un coup de jeune à Wayne Woods. Après j'avais oublié qu'il y a Risky Reels maintenant à côté de Wayne Woods, mais bon ça n'empêche pas que ça serait une bonne idée quand même. Et maintenant je vais parler d'un site qui vous permet tout simplement de créer votre propre skin. Vous mettez la tête que vous voulez, les bras que vous voulez d'un autre skin, etc. Vous mixez tout ça et ça vous donne le skin que vous voulez. Je vous mets une vidéo en même temps pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent. Il y a vraiment tous les skins du jeu, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des skins de malade, etc. Bon, en soi, ça sert pas à grand chose, peut-être pour des suggestions de skins, mais c'est cool, c'est sympa. Donc voilà, le lien, il est en description. Et j'aimerais bien, pour ceux qui ont créé des skins originaux, que vous m'envoyez ça par mail. Je ferai peut-être une compilation dans une prochaine vidéo des skins les plus insolites que vous avez créés. Maintenant, on va parler d'un nouveau concept qui nous vient aussi de Reddit. Ça serait la grenade incendiaire. Je pense que vous avez compris le concept. C'est une grenade qui permet simplement de foutre le feu aux structures en bois. Franchement, je trouve que c'est une méga bonne idée. J'espère vraiment qu'un jour Epic Games vont le mettre. Que bon, c'est vrai qu'on a le C4 pour péter efficacement les structures. Surtout qu'il a été augmenté le C4. Je sais pas si vous avez vu. Mais une grenade incendiaire, franchement, ça rajouterait vraiment un truc. Pouvoir brûler les ennemis comme ça, pouvoir brûler leurs structures, voir comment ils sont en stress, etc. Ils vont paniquer. Franchement, ça serait un truc de ouf. J'espère vraiment qu'Epic Games, ils vont l'implémenter dans le jeu. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et enfin, une petite vidéo pour conclure justement cette vidéo. C'est quelqu'un qui a trouvé 3 lamas au même endroit. Autant on avait vu un gars qui avait trouvé 4 lamas un peu dispersés partout, mais là c'est vraiment au même endroit. Donc voilà, je vous laisse voir la vidéo. Franchement, si ça m'arrive un jour, je saurais pas comment réagir. Franchement, j'aurais bien aimé voir sa réaction, parce que perso, je sais pas comment j'aurais réagi. 3 lamas côte à côte comme ça, je peux vous dire que niveau munitions et matériaux, il était vraiment au maximum. Donc voilà, on est sur la fin de la vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Désolé pour les 3-4 jours sans vidéo, parce que de 1 j'étais malade et de 2 il y avait pas énormément de news sur Fortnite. Je voulais pas vous faire une vidéo pour juste une ou deux news, j'attends vraiment qu'il y en ait pas mal pour vous faire une grosse vidéo comme ça. En tout cas, comme d'hab, je tenais à vous remercier en fin de vidéo pour la force que vous me donnez. On est déjà 110 000 sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à continuer de vous abonner en masse,
à liker la vidéo et franchement merci pour tout. Je vous laisse avec la fin du gameplay pour ceux que ça intéresse. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis ciao. On the beats.